俺のサッカー人生の全てをぶつける。ファンディアス伝説はここから始まるんだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team, comme dirait mon ami Mitch, Super Dream Fest, voilà, on a été annoncé. J'ai pu voir sur Twitter les stats du nouveau Tsubasa Dream Fest rouge, il a l'air complètement ouf. Le dia, ça serait une découverte, voilà, j'ai pas voulu tout découvrir, je pense que j'aurais pu, mais voilà, voilà. Nouveau maillot de l'Argentine de notre ami Diaz. Vous avez pu voir, le style graphique a un peu changé par rapport aux autres joueurs. Dreamfest d'ailleurs. On peut voir Shunkosho, Espadas, Gentile, Misaki, Wakabayashi et Wakashimazu pour les Japs. D'ailleurs, si franchement, t'as loupé de drop les meilleurs, le meilleur gardien, les meilleurs gardiens. Du jeu, c'est plus le portail, Tsubasa qu'il faut vraiment viser. Même si Espada c'est très bon, hein. Je l'ai, Espada c'est très très fort, surtout contre les Japs. Mais là, face à ce Tsubasa là, les gars, ça va être, on est devant un game breaker, les gars. Je vous le dis, on est devant un game breaker, ça va faire mal. Là, ça va faire un peu mal là, je vais pas vous mentir. Donc Super Dream Fest qui dure très longtemps, par contre là il est carrément une semaine. Donc à partir du 28 jusqu'au 5, donc une semaine, bon, jusqu'à vendredi 5. Donc nouveau Tsubasa rouge et le Diaz bleu Dream Fest, voilà. Sinon qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ah d'accord. Ah bah Carlos Santana et Schneider sont de retour avec leur maillot officiel. Ah c'est bien ça. Bah j'aurais bien voulu l'avoir moi. Bon le Schneider je l'aime mais pas avec le maillot officiel. Bon, c'est pas grave hein, mais bon ok d'accord. Ok. Donc bien évidemment qui dit Super Dream Fest dit toutes les 3 multi, la 4ème gratuite. Donc là j'ai 350 Dream Ball. Je peux faire 9 multi. Bien évidemment, je vise complètement le Tsubasa. Et ce qui est bien avec le portail de Tsubasa, c'est que les joueurs, j'en ai aucun. Après, du côté de Diaz, il n'y a que Espadas que j'ai. Donc, voilà. On va voir les stats après, les amis. Donc, je pense qu'on va hop, fermer. On va voir s'il n'y a pas encore plus. Oh, oui, il y a le Time Attack aussi. Il y a le Yuga Time Attack qui est de retour. Donc, si vous voulez. Terminer votre Yuga, c'est le moment les gars. Là il va falloir le terminer assez rapidement. On ne sait pas s'il va revenir ou pas. Donc voilà, petite news assez rapide. Je sais que ça a gueulé. Ouais d'accord. Ah ouais c'est bien. Hey, je vous jure, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 matchs. Juste fait 3 matchs de Dream Championship. Ah bah bon c'est très bien. Dream Ball, bon j'en ai eu, mais c'est pas grave. Moi j'ai pas eu le temps, donc voilà, je ne suis pas pris la tête. Ok, hop, on prend bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans mes missions, qu'est-ce qu'il y a dans mes missions? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je sais que ça a gueulé sur le live de Club, même sur le live FR. Mais dites-vous les gars, voilà, si vous n'êtes pas content du jeu, faites une pause. Jouer à d'autres jeux, cool. Voilà, c'est qu'un jeu, hein. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre plus la tête que ça, en fait. Je sais que j'ai vu l'image des bonus de juillet et la bannière, c'était les Allemands. Après, tu me diras, juin, c'était les Brésiliens. On a eu un portail brésilien qui a été là. Bah, on le voit d'ailleurs, qui était un portail un peu honteux pour rester poli. Donc voilà, après on verra à quelle sauce va être mangé les Européens, même s'ils sont pas fait respecter dans World Youth, hein. L'Italie s'est pas fait respecter, après l'Allemagne a perdu 5-0 parce que Müller était blessé à cause de Lévin,
etc. Non, je m'en rappelle plus pourquoi t'es blessé, Muller. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Allez, répertoire joueur. Tsubasa est juste là, donc ça va être très rapide. Il est là. Il est là, collection. Alors, il doit être tout en bas. Il est magnifique. Il est rouge. Attends, tu sais. Attends. Elle est animée la carte? Attendez, attendez. Attendez, attendez. Juste, attendez. Juste voir un truc. Wow, elle est animée! Oh, bordel. En fait, quand tu sélectionnes la carte, ça s'affiche. D'accord. Ok. Wow, c'est un truc de ouf. Ouh là là, j'ai. Ouh là là, les stats. Bon. Allez, milieu offensif, World Youth, 1100 d'endurance. Déjà, ça t'annonce la couleur. 24 638, ça, on le savait. 7 915 en dribble. Quasiment 8 000, quoi. Quasiment 8 000. 8 731 en tir, c'est un truc de ouf. 7 992 en passe, c'est quasiment 8 000. C'est n'importe quoi. Alors là, c'est n'importe quoi. Défense, 15 552. 5 911 en tacle. Donc ça va. 3 486 en contre, donc c'est pas du tout à contrer. 6 155 en interception, c'est pas trop mal. Il faudra lui mettre une interception à 80, mais je pense que ça peut faire le café. Physique, 20 999, donc 21 000, hein, que j'avais noté. C'est un truc de ouf. Hein. 6 464 en rapidité et 7 537 en puissance qui va avec le tir. Et quasiment 7 000 en technicité. Balle haut et balle basse. Bon. Il a 3 PS. On les verra tout de suite derrière. Alors, il donne à tous les Japs 10%. N'importe quel Jap. Hein, n'importe quoi. N'importe quel Jap, n'importe quel arc, n'importe quel méta de ce que tu veux, de la mort, de quel n'importe quelle couleur. C'est bien, mais je crois que certains World Youth 97 donnaient plus. Je sais, il y en a un que j'ai droppé, il donne 12. 12%, je sais, je ne me rappelle plus lequel, hein, je vous laisse vérifier. Ou sinon, il donne 10% à tous les attaquants, ou attaquants et gardiens, 10% de l'équipe. Donc ça peut être n'importe quelle nationalité, Jap, Sudam, ce que tu veux. Européen, voilà, on s'en fiche. Par contre, là, il a un passif qui risque de faire très très mal. Il prend 16% quand il est dans la surface de réparation. Ça veut dire qu'il va tuer tous les gardiens qui ont un passif maître de la surface. Ça veut dire le Waka Rouge World Cup 2018, le Waka Bleu 97, le Salinas Vert. Et là, pour l'instant, je vois que ça pour l'instant. Donc, ça veut dire que lui, déjà, il va prendre son passif. Et en plus, le gardien n'aura pas son passif en face. Ça veut dire qu'en plus il est rouge, ça veut dire que il tue Salinas. Le Salinas vert, il le tue déjà. Avec le passif, plus la couleur. Voilà. Donc déjà le Salinas RIP, frère. RIP, RIP. Après, normalement même le Waka bleu World Youth 97, c'est. Voilà. Après, face au Waka Fest, bon, le Waka Fest a encore son passif face au Jap, je crois. Face au non-Jap, je ne me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Donc voilà, franchement, non, passif de ouf. Mais pourquoi 16%? Je me pose toujours la question. Si vous avez la réponse, les commentaires, je serais ravi de le savoir. Donc, il a 3 spé de tir, donc balle haut, balle basse et balle normale au sol. Donc, balle basse, tir acrobatique aérien ultime, donc c'est là où il rentre dans les cages. Je vous mets l'animation maintenant. Tir flash du tigre foudroyant, donc ça avec. Voilà, il vous faut 3 joueurs, Yuga, Tsubasa, Mizaki. Donc c'est peut-être. C'est vrai qu'elle est forte, 525 en intensité. Mais c'est peut-être celle-là que je retirerai. Je la mets de côté, je fais une retraite technique, je la mets de côté. Et je mettrai un tir seul parce que il vous faut absolument les trois joueurs. Voilà. Donc, ouais.
Après le Miyazaki, je l'ai. J'ai tous les Yuga, je crois. En tout cas, les Yuga très forts, je les ai. À part le World Cup 2018, le rouge. Mais sinon, j'ai tous les Yuga. Alors, attendez. Donc, il faut bien Miyazaki pour le. D'accord. En fait, il faut Miyazaki pour ce Tsubasa. Voilà. Et par contre, le retourné acrobatique surnaturel en deux phases, c'est quand il lobe Natureza. Je vous mets la tour maintenant. Elle vous prend 400 et 475 d'intensité, donc voilà. Mais il n'y a pas de spé spécial. Ok. Là, pour le monter, le Tsubasa, je sais pas qu'est-ce que je lui mettrais. Déjà, je suis en train de monter le TAC, le X, dans l'event. Il faut lui mettre une passe. Il est très. En fait, il faut lui mettre une spé attaque de chaque. Mais le souci, c'est que. Il te reste plus que deux places libres, quoi. Il te faut au minimum une spé défensive quand même, parce que bon, voilà. C'est pour ça que je sais pas, j'enlèverais le tir acrobatique à ultime, peut-être qu'il coûte très cher. Je lui mettrais un tir puissant, je sais pas, moi n'importe quoi, enfin je sais pas. Moi qui a le Tsubasa Sao Paulo, faut voir à combien monte la frappe. Faut voir. Mais là, c'est vrai qu'il y a trop de TS de tir. Après, ça va avec le profil du personnage, malgré qu'il est milieu offensif. Donc, l'une des spé que je mettrais, déjà, tu lui mets une 2. Tu lui mets la Golden Duo avec Miyazaki, vu qu'il fait tout avec Miyazaki. Ouais, avec Miyazaki. Et... Ouais, je sais même pas si un drip, ça suffirait. Si un drip suffirait, quand même. Je sais pas si un drip suffirait. Je pourrais pas vous dire, je sais pas. Je sais pas si c'est rentable. Je pense qu'à 1-2 c'est mieux. Déjà, tu gagnes du terrain et en passant plusieurs joueurs en une seule fois, en utilisant une TS, tandis qu'un drip, il faut que tu. Par exemple, si tu es face à deux joueurs, il va falloir que tu utilises deux fois. Tandis qu'avec le 1-2, c'est une fois. Donc, et en plus, tu gagnes beaucoup de terrain. Et ce Tsubasa, il va falloir qu'il rentre dans la surface pour qu'il fasse mal. Non, complètement ouf. Il est fou, Tsubasa. Le nouveau Tsubasa Dreamfest. Voilà. Après, comme j'ai dit sur Twitter, pourquoi Diaz? Même moi, j'ai pas compris. Je pensais vraiment à Natureza. Ouais, je pensais vraiment à Natureza, quoi. Mais bon. En espérant qu'il ait sa carte de Dreamfest numéro 2. Le Diaz, voilà, qui a fait, franchement, c'est magnifique. Je sais, c'est magnifique. Le Diaz Fest bleu, attaquant et milieu offensif, donc lui, il a les deux. Oh purée, d'accord. Il est quoi? Il est ouf. Il est ouf. Il est ouf. 1011, donc un petit peu moins que le Tsubasa, mais toujours aussi... Tout aussi correct. 24 340, 8500 en dribble, 8900 en tir et 6000, quasiment 7000 en passe. Donc passe et voilà, mais c'est un truc de dingue. C'est peut-être maintenant l'un des meilleurs dribbleurs du jeu. Avec il faudrait voir avec le Larsen rouge, mais c'est l'un des meilleurs dribbleurs du jeu. Et le tir, il est bon, c'est pas le meilleur tireur du jeu. Le meilleur tireur du jeu reste Roberto Carlos, mais waouh. Waouh! 16 304 en défense, 6002 en attaque, 3009 en compte, tu t'en fiches, et interception 6000. Donc la meilleure. Ouais, il faudrait peut-être lui donner le B60, le tackle B60. Par contre, il coûte assez cher le tackle. Donc voilà. 20 399 en physique, donc 6005 en rapidité, pardon, 6007 en puissance et 7000 en technicité. Donc un petit peu dommage que les stats physiques ne correspondent pas trop avec les stats attaque. Mais bon, ça reste fort. Vraiment, ça reste très 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 fort. Balle haut normal et balle basse bon. Il donne à tous les Sudam 10%. Donc le contraire de Tsubasa. Tsubasa c'est les Jap. Là c'est Sudam. Donc il te faut absolument. Si tu joues Sudam. Il te faut absolument ce Diaz, ce nouveau Diaz Fest, ou sinon à tous les attaquants et gardiens 10%.
un peu comme Squadron, comment il s'appelle, Espadas. Et je crois qu'Espadas, je crois qu'il est au mondial, mondial espoir, donc World Youth. Et lui, passif, s'il est en full power, il prend 15% déjà sur... Déjà, ses stats sont complètement dingues. Mais là, il prend 15% supplémentaire quand... Déjà, en full power, t'es en mode Super Saiyan. Alors là, il est en mode Saiyajin 2, voire 3, quoi. C'est incroyable. Il laisse tomber 15% supplémentaire. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire très très mal, ce Diaz. En tout cas, la carte est magnifique. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. 490 d'intensité pour le tir de la banane acrobatique. Donc, c'est Acrobatic Banana Shoot. Donc ne perd pas d'angle lorsqu'il est utilisé. Voilà, c'est un angle fermé. Donc c'est bien ça qu'on avait deviné. Voilà, donc si vous êtes sur le côté, c'est comme si vous avez tiré dans l'axe, quoi. Un peu comme Boomerang. Le dribble de rue, magnifique. Franchement, le dribble de rue, c'est une CSP qui est magnifique. 285 et 490 en S99. La passe, feuille morte, je crois avoir vu que la passe était en A. Non, la passe fait morte, elle était pas en A. Ou peut-être que j'ai mal vu. J'ai dû me tromper avec une autre carte. 220 pour la passe de la feuille morte. Le dribble, la frappe. Ouais, dribble, frappe. Et passe. Après, tu peux lui mettre un tacle. Tu peux lui mettre un tacle et une interception. Ouais, c'est pas mal. Tacle et interception. Voilà. Non, complètement ouf le Diaz. Fantastique Diaz, et il porte très 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 bien son nom. Alors maintenant, on va aller. Bah, je crois qu'on va les invoquer, les amis. On va les invoquer. Donc j'ai fait de la place dans ma box. Le portail, sud-américain. Ah oui, d'accord. La single avec Tsubasa et la single avec Diaz. Ok. Il vous reste encore un jour si vous voulez. Invoqué sur le portail brésilien. Donc il reste encore un jour pour le recrutement anniversaire avec SSR garantie, je le rappelle. Le mixeur reste encore un jour, donc si vous avez beaucoup de doublons dans le Super Dream Fest, c'est maintenant ou jamais d'avoir un World Youth 97. Et je crois que c'est tout. Et ben on est parti les amis. Allez, c'est parti. J'ai la pression. Parce que j'aime bien vraiment, vraiment l'avoir, le Tsubasa. Allez, c'est parti. La première canette est partie. Donc, on est parti pour normalement 9 multi. Allez. Ok, celle-là, elle est pour Clab. Le nouveau Matsuyama qui donne la passe de l'aigle. Je l'avais pas su. Ok. Ok. Allez. Il ne reste plus que 8 multi. Donc les persos de la bannière, j'en ai aucun. Donc là, c'est... Attends. Allez. Allez, tu mets Tsubasa et on s'arrête maintenant. Ce serait parfait. Tsubasa, maintenant. Ok. Ça devrait péter. Normalement, ça devrait péter. Ça devrait péter. Ah, j'ai le cœur qui bat. Allez, ça pète. Oh, je l'ai eu en doublon. Je l'ai eu en triplon. J'ai donné son contre au... On n'a pas vu les taux. Attendez. On va faire une rotation. On va voir qui c'est qu'il y a dans le détecteur. Ah, j'y ai cru. Flamme du troll. Les souvenirs bleus. Ah la waifu. Ouais bon, un SSR. Un SSR. C'est le dernier. Mais si c'est le bon, on est bien. Allez, allez. Mais non, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Au moins de moi des SSR que j'ai. Même si c'est pas des fesses, mais de moi des SSR que j'ai pas. Allez, la multi gratuite. C'est pas fameux, hein. Eh oui. Je sais pas pourquoi je le sens pas, ce Dreamfest. Ce Super Dreamfest, je le sens pas.
J'ai eu beaucoup de chance à au dernier, en décembre, pour ceux qui veulent l'avoir, je vous invite à aller voir ma vidéo Super Dream Fest où j'avais eu 600 Dream Ball. On va juste voir un truc. On va y voir un truc, les amis. En tout cas, voilà, c'est de la merde là. Pour l'instant, c'est c'est de la merde. Hop. Va sortir un peu. Détail. Parce que là, j'ai droppé, je pense, des joueurs qui avaient des taux de probabilité moins que ceux de Tsubasa, par exemple. Tsubasa, Wakabayashi, Wakashimazu et Misaki Dreamfest. Alors, attends. Est-ce qu'ils sont les taux de proba? Voilà. Probabilité d'obtention. Après, j'ai été gâté avec les World Juice 97. Hein. J'ai eu le Hakai, comme vous avez pu le voir. J'ai eu le Misaki, j'ai eu le Yuga, j'ai eu le Sawada, j'ai eu le Wakashimazu, j'ai eu le Genzo. Donc, j'ai pas trop le droit de me plaindre, quoi. 0,42, d'accord. On va juste regarder à combien. Regardez, déjà, on a 0,03. Donc, moi, ça me fait rien. Attends, les autres, ils sont où les autres? Ceux que j'ai droppés. Attends, juste regardez comme ça. Ouais, ça 0,032. Pour l'instant, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. C'est génial, ce jeu est tout le monde génial. Attends. Ah, ça doit être ça, ça doit être du 0. Ah bah tiens. 0,032. Donc, j'arrive à dropper un mec de 0,03. Mais un 0,42, non. Ah, c'est toujours comme ça avec moi. Bah tiens, il est là le Léo. Bah par exemple, tu vois, il m'aurait donné le Hakai vert, j'aurais pas dit non. J'aurais dit, ah bien. Bien, bien, bien. Même si c'est pas lui que je vise, mais au moins je l'ai pas. Ou le Robson rouge, par exemple. Voilà. Je sais pas, moi. Il y a d'autres bons joueurs, quoi. Bien évidemment, le Carlos Santana ou le Lévin. Alors là, je serais super content. Bon, alors attendez. On avait dit, je peux faire combien de. Ouais, je peux faire deux rotations et une multi. Donc là, on est sur la deuxième rotation. On est sur la deuxième rotation? C'est ça, on est sur la deuxième rotation. Allez, c'est parti. Alors, on espère avoir une bonne nouvelle. Après, les amis, Tsubasa va revenir. Hein. Il n'est pas que limité à ce portail-là. Il reviendra. Faut pas. Voilà, quoi. Faut pas pleurer. Ouais, je l'ai pas. C'est vrai qu'il est trop fort. Il est super fort. Allez. Oh! Deux SSR! Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, je t'en supplie. Oui, le Wakashimazu. Oui, le Wakashimazu. Ça y est, j'ai enfin mon gardien Jap super, super, super fort. Voilà, ça c'est bon ça. Allez. Non, je m'en doutais. Je vous jure, je vous jure, je vous le jure. Quand j'ai eu le Wakashimazu, j'ai dit le deuxième c'est Wakashimazu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Wakashimazu doublon? Oh là 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 là. Bon. Pas se plaindre, on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Bon, j'ai eu un mec bannière. Confetti. Pas de flamme. Ok. Allez, s'il te plaît, Sanae, donne-moi ton mec. Donne-moi ton mec, Sanae. Donne-moi ton mari. Donne-moi ton mari, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin du Tsubasa. Ah, le Shingo! Ah, je l'avais pas. Je suis content. C'est un fest. Je suis content. Mais je voulais ton mari. Je voulais ton mari. Ah, je suis content. Je suis content. Je suis content. Le Shingo, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais là, j'ai peur que la prochaine. Ah, bah, il me reste. Ouais. Ok, 50. Allez, allez, allez. Je veux braquer le portail. Là. Je veux le. Je veux. Oula, d'accord, ok. Moi, celle. Ah, attends. Attends. Ah, les waifus, c'est bon signe. Très bon signe, même, j'ai envie de te dire. Allez, deux. Est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est du troll? Attends. Pète. Ah. Mais je t'avais déjà, toi. Bah, je l'ai déjà le Izawa Saint-Valentin. Oh là 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 là. Ah, j'ai peur qu'on va pas là.
Je pense pas qu'on va l'avoir, les amis. Hein. Il me reste une single payante. Je pense que... Ah non, non, pardon. Il me reste deux multi, pardon. Il me reste la gratuite. Et il me reste 50 Dream Ball. Ah, si tu pouvais tomber maintenant, là, ça serait bien. Je veux le Tsubasa, putain. La carte, elle est magnifique. Après, chance. Attends. C'est World Use, Fat Flop. Encore? Oh là, je suis en train de tuer les taux, là. Ok, personne. Un SSR. Allez, le Tsubasa. Allez, s'il te plaît. Je joue rouge. Je monte Tsubasa rouge. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Ça me servira pour le road, ouais. Ça me servira que pour le road. C'est tout, quoi. Oh là 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 là. Bon, j'ai eu le Wakashimazu, Dreamfest. Ah, pourquoi tu me mets en doublon, quoi? Pourquoi? Bon, bah, ce que je vais essayer de faire en une semaine, c'est de rassembler sans Dream Ball. Ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué. Pour finir au moins une rotation et pourquoi pas essayer de forcer pour le. Pour le Tsubasa. Allez, c'est parti. Mais là, je suis bien en termes de toi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Là, non, c'est mort. Bon, les amis. J'ai pas eu le Tsubasa. Mais j'ai eu un personnage bannière en doublon. Ouais. Le bilan est plutôt bon dans les taux de SSR, faut dire la vérité, j'ai vraiment eu comment dire, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans les taux SSR. On va voir, attendez, on va voir combien de SSR j'ai eu. Je peux pas trop me plaindre en fait. Mais malheureusement, j'ai pas eu le joueur que je voulais. Alors attendez. On va être un joueur. Oui. D'accord, j'arrive. On va aller dans bon, studio entraînement. Alors. Attends, on va faire un filtre. Et c'est SSR. Hop. Alors, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, sur 9 multi, j'ai eu 7 SSR. Donc, on est très bien. On est quasiment sur un SSR par multi. J'ai eu deux fests. Voilà. Bon, j'ai eu deux merdes. Le Izawa il va partir au mixeur. D'ailleurs, on va essayer de voir si on peut pas faire un petit mixeur en deux spi. Le Wakashimazu, peut-être que je vais le. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, j'aimerais bien lui mettre le coup de poing karaté style Wakado sur mon World Juice 97. Je m'attendais à avoir un Misaki parce que j'ai eu quasiment tous les Misaki en un mois, j'ai eu quasiment 4 Misaki. Donc voilà. Alors attendez, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu perturbé là, je vais pas vous mentir. Faut que je vois le Wakashimazu vite fait, voir le. Ah non, je crois que j'ai dû le monter en UR, je crois. J'ai dû le montrer, j'ai dû le mettre en UR. Ouais, il est là, en UR. Alors. 280 en d'accord. Donc je peux lui récupérer la S triangulaire, je sais pas quoi de la mort. Donc on a dit 280 et lui c'est combien à l'S aspect? 240. Je pense même c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le doublon, je vais lui mettre les deux PS. Je fais retrait technique pour le saut triangulaire. Et j'envoie le saut karaté style Wakado dans le World Juice 97. Comme ça, il aura 3 PS, 2 coups de poing et un capt. Et je pense qu'on sera pas trop mal pour le World Juice 97. Ouais, Michel Yamada, je l'avais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais même pas si je vais le garder, les amis. Je sais même pas. Je sais pas. Bon, le Léo, il dégage. Alors, attendez, recruter. Ah, je suis dégoûté. Je sais pas pourquoi je le sentais pas. Je sentais pas avoir le Tsubasa.
Je sais pas. Dès le début de la journée, je l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti. C'est pas grave. C'est le jeu, c'est comme ça. Allez, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Lui a demandé, je l'ai en doublon. Donc peut-être qu'il va partir dans le mixeur. Donc on va faire ça, ça. Ça. Il manque plus que deux. Il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Boomerang, il va partir, je crois. Boomerang va partir, je crois. Le soda, je vais le garder pour faire l'éveil du potentiel. Je crois même que je vais. Même le Yuga, il va partir, je crois. Ouais, je crois, on va faire comme ça. On va faire peut-être comme ça. Ah, c'est pas facile, hein. Parce qu'en fait, tu essaies d'anticiper sur ce qui va arriver. Tu veux garder certaines PS pour. Par exemple, tu vois, le Bunak, je le garde pour le jour où j'ai le Bunak Fest, quoi. Et même pour le ORAN, pour son tac, je garde son tac le S, quoi. Le jour où j'ai un ORAN super fort, je peux pas le sacrifier, quoi. Je peux pas le sacrifier. Même le Napoléon, je sais pas quoi faire, en fait, avec le Napoléon. Ah là là, c'est pas fastoche, hein. C'est pas fastoche, c'est pas facile, hein, de choisir. J'ai envie de sacrifier le Irlandaise. Ouais, de toute façon, je l'ai en doublon, donc. Allez, le Irlandais. De toute façon, j'ai plein de gardiens maintenant. En termes de gardiens, je suis tranquille. En plus, je l'ai en doublon, donc voilà, il va partir. Tac, 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 tac. Non, non, le Wakashimazu. Les Dreamfest doublons, faut jamais les sacrifier, les amis. Parce que ça peut être extrêmement utile pour l'avenir, quoi. Allez, le Raiju, on s'en fiche. Allez. C'est parti. Désolé, hein, pour le temps de. Allez, donne-moi un World Use 87 que j'ai pas, ce serait bien. Ou n'importe quel sac que j'ai pas. Moi, Tsuyama, je l'avais pas. En termes de mixeur, je suis bien, moi. Franchement, en termes de mixeur, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Attaque le S, très bien. Attaque avalanche, interception forcée, c'est très bien. Intensité de. Ok. Non, ça va, je suis content. Je suis plutôt content pour le Matsuyama. Bon, voilà, les amis. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je savais que j'allais être salé à ce Super Dream Fest parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pendant l'anniversaire et je m'en doutais que le retour de bâton allait arriver. Donc voilà. Donc si vous avez le Tsubasa, un gros GG à vous ou le Diaz si vous voulez jouer Sudam. En tout cas, je vous le souhaite, les amis, et on verra si je pousse avant vendredi prochain. On verra, on verra. Je vous souhaite bon pool. Je vous dis à très très bientôt. Je vous kiffe. À la prochaine. Ciao.